Agrippé à un arbuste, cet homme tente de ne pas se faire emporter par le courant. Après de longues minutes, il attrape enfin une corde lancée par les secouristes. Il est finalement extirpé des eaux sains et saufs. À Oklahoma City, les inondations ont tout submergé, les voitures et les maisons ne sont plus que des îlots. À l'aide de bateaux pneumatiques, les secours évacuent les dernières personnes restées sur place. Cette brusque montée des eaux est la conséquence de tornades à répétition. Nous sommes en pleine saison des ouragans et les États du Kansas, de l'Oklahoma et du Texas sont très violemment touchés cette année. Pour preuve, ces images rares de tornades jumelles dont les colonnes touchent terre au même moment. À chaque fois, ces tourbillons de vent extrêmement violents détruisent tout sur leur passage. Les bungalows ont été détruits, les gradins du terrain de football également et les panneaux de signalisation sur les routes ont été emportés. Selon la chaîne de télévision américaine CNN, plus de 4 millions de personnes sont potentiellement en danger à cause des ouragans.